Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, Ali Bapta va nous interpréter le titre suivant, Tom Hee Ho. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que c'est comme titre, comme chanson, comme style de musique. Donc vraiment, c'est une découverte à nouveau avec Ali Bapta. Alors, n'attendons pas plus longtemps, c'est parti. Déjà, l'introduction, les 5-6 premières notes, on voit même pas les mains qui bougent sur la guitare. Alors, comment il fait pour jouer? D'où sort ce son? C'est tout juste incroyable. Waouh! Quelle musicalité dans ce titre-là. Je ne connais pas du tout cette chanson. Je la découvre totalement. Mais il y a une musicalité incroyable. Quel plaisir. C'est vraiment un plaisir immense d'écouter Ali Bapta. Je pense que ça doit être le refrain de la chanson où on entend justement la musique et les mains ne bougent pas. J'arrive pas à comprendre le truc là. Je suis en train de regarder et je comprends pas du tout comment il fait. Continuons. C'est vraiment une musique magnifique. Comme dit, je ne connais pas, mais c'est magnifique à écouter. Waouh! Quel rythme! C'est calme, c'est posé. Comme Ali Bapta, il est calme, il est posé. C'est génial. Génial! Et puis bien sûr la technique, on revient à chaque fois sur le même sujet, la technique d'Ali Bapta est tout juste incroyable. Il joue d'une manière, même si on n'aime pas la guitare, on aime la guitare avec Ali Bapta. Puis après, ce que j'adore chez lui, c'est quand il remonte la main au niveau de la guitare et commence à jouer juste sur le manche de la guitare. C'est ça qui est exceptionnel chez lui. À n'y rien comprendre, la vérité, il joue. Waouh! On a l'impression que la musique vole. Avec lui, la musique, c'est comme un enchantement. On est là, on écoute, on pourrait écouter ça pendant des heures, tranquillement assis, juste à écouter et à écouter. Vraiment, c'est magnifique. Pff.
Voilà. Dans cet extrait-là, il y a des aigus qui sont tout juste splendides. On peut même plus expliquer. Le problème, c'est qu'il faut écouter. Et ensuite, essayer de donner une explication sur ce qu'on écoute. Mais c'est magnifique, donc il n'y a rien à expliquer. Il est unique, la vérité. Maintenant, sur ce morceau, effectivement, j'ai l'impression qu'il est bien concentré sur son morceau de musique. Parce que bon, d'habitude, il nous fait quand même un petit peu ses petits trucs à lui. Mais sur ce morceau-là, maintenant, je trouve qu'il est complètement concentré dans son morceau de musique. Et c'est magnifique, magnifique. Je venais de dire qu'il ne fait pas là, il vient tout juste de nous faire son petit accompagnement avec la main sur la guitare, qui nous fait ce petit tempo là, qui est vraiment tout est bien, il n'y a rien à redire, c'est un guitariste d'exception, voilà, c'est tout. Si seulement je savais jouer de la guitare comme ça, ou juste un peu, ça serait magnifique. Mais bon, il faut des années et des années de pratique pour pouvoir atteindre un tel niveau, vraiment. Ali Bapta, numéro 1. Le dernier morceau, j'ai pas d'explication. La musique sourd, les mains ne bougent pas. Il joue de la guitare, les mains ne bougent pas, il y a de la musique qui sourd. Donc, moi je comprends rien, vraiment. Ce que je peux juste dire, c'est que c'est magnifique. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Alors, abonnez-vous pour découvrir d'autres réactions d'Ali Bapta. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, bye!